dépargne, non. Et voilà parti donc pour ce prix de la clinique équine de Mêlée d'Humaine, cross sur la distance de 2100 mètres. Alors enfin, pour faire la première du parcours, il faut qu'il s'est tout de suite en parallèle pour un moment. Avec Ayane Zebos qui vient en seconde position, est en troisième position, avec Jubilé des Vallons qui n'est pas loin, juste devant Grenelle de Forme. C'est par contre la valise qui ferme la marche de ce peloton. Il est content à l'heure de maintenant de tourner dans les débuts de la ligne opposée en quelques instants. Et pas de changement de tableau en tête. Punky Thibaut de Lonnay qui emmène le coton avec un très léger avantage avec Jubilé des Vallons en seconde position. Kazakh Malamé, Barton de la Malice vient maintenant en troisième position à l'extérieur. Pardon, c'est Brunel de Temps qui s'est rapproché de Royaume de Boss. C'est Barton de la Malice qui ferme le marché du coton. Et qui patiente en dernière place associé à Jadondier. Les contours qui sont dans la ligne opposée. Une allure qui s'est très légèrement reprise. Et nous, petit galop de chasse dans cette épreuve pour l'instant avec Punky qui emmène le coton pour franchir le passage de haut dans quelques instants avec toujours un petit qui emmène le peloton avec un très léger avantage alors qu'on vient en seconde position avec le Grenelle de Corne et qui est bien calé dans son dos, on est troisième avec maintenant Julien des Vallons qui n'est pas bon du tout juste devant Yann de Bosch. C'est Barcon de la Malice qui ferme la marche du peloton alors qu'ils sont dans la ligne opposée au fond de l'hippodrome. Pas de changement de table en tête, c'est toujours Penki qui montre le chemin à ses adversaires actuellement alors de aborder la diagonale. Alors qu'on est toujours en deuxième position, bien calé dans son dos avec Jubilé des Vallons, alors qu'on a tourné court actuellement avec Brunel de Corne qui est en troisième position pour franchir le mur en terre, alors qu'on est maintenant en troisième, quatrième position pardon, avec Adam Zebos qui est dans le centre du peloton. C'est Barcon de la Malice qui ferme la marche de ce peloton. Nous pourrons vous revenir vers le centre hippodrome et toujours Penki qui emmène le peloton. Thibaut de Lonnay qui vient en seconde position, bien calé dans son dos avec Jubilé des Vallons, Philippe Madame qui est en selle, René Le Guffin, Arthur Parlon est troisième, René Libroyant avec Ayam The Boss qui est en quatrième position à la hauteur de Barton de la Malice qui passe toujours à l'arrière-garde des concurrents en face dans les tribunes avec Penki qui a librement l'avantage avec Jubilé des Vallons qui vient en seconde position, René Le Guffin est troisième avec Ayam The Boss et Barton de la Malice qui patiente à l'arrière-garde les concurrents à bord de maintenant l'obstacle du tournant et pas de changement avec Penki qui emmène le peloton qui a sauté fort sur l'obstacle mais qui a toujours l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Brunel Guckorn qui est bien calé dans son dos maintenant et qui a choisi le chemin le plus court, c'est-à-dire celui de la corde pour se rapprocher. On vient maintenant à l'extérieur avec Jubilé des Vallons qui durcit les trois avec qui a pris l'avantage mais qui tourne large maintenant dans cette diagonale pour aborder le fence mais qui revient au centre de la piste. Ayam The Boss et Barcon de la Malice ferment toujours la marche actuellement alors qu'ils ont franchi le fence de la diagonale mais ils vont se diriger vers un nouvel obstacle dans quelques instants avec toujours Penki qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Brunel Guckorn est une nouvelle fois venu en seconde position en se rapprochant plutôt côté corde alors qu'on est en troisième position maintenant avec la casaque de Barcon de la Malice qui s'était distraite durant la première partie du parcours mais qui revient à l'extérieur et puis Ayam The Boss qui est plus côté corde alors qu'ils ont franchi un nouvel obstacle. C'est désormais Jubilé des Vallons qui malgré avoir tourné au large et bien se rapproche et a raccroché au peloton fermant la marche de ce dernier. Les concurrents qui sont maintenant au fond de l'hippodrome une nouvelle fois et toujours Penki qui ne mollit pas en tête et qui montre le chemin à ses adversaires et ceci depuis le début de l'épreuve alors qu'on vient en seconde position avec Brunel Guckorn qui est patient et qui calcule sa course sur le leader actuellement. Par contre la Malice est en troisième position et tente d'accélérer également. Un petit peu plus loin maintenant en quatrième position avec Ayam The Boss et Jubilé des Vallons qui semble marquer le pas en cinquième position. Les concurrents sont au bout de la ligne opposée maintenant, ils vont aborder la phase finale de l'épreuve et c'est la banquette qui se présente à eux avec Penki qui a toujours librement l'avantage maintenant pour aborder la phase finale de l'épreuve avec Barcon de la Malice qui va tenter de venir l'attaquer maintenant et qui n'est pas loin du tout avec Ayam The Boss qui s'est rapproché avec Brunel Guckorn et Jubilé des Vallons. Les concurrents sont sur la boucle extérieure actuellement avec Penki qui a toujours l'avantage avec Barcon de la Malice qui lui a fait l'intérieur maintenant qui s'est rapproché par la corde avec également Brunel Guckorn qui est troisième juste devant Ayam The Boss et Jubilé des Vallons. Les concurrents sont dans la phase finale, il va rester une difficulté à franchir par contre de la Malice. Penki à la lutte pour la victoire maintenant, une lutte à deux avec l'animateur de la première heure. Penki qui repart le plus belle maintenant à moins de 200 mètres du disque final. Par contre la Malice qui est là également, qui vient l'attaquer côté corde et qui fait parler sa classe de plat. Par contre la Malice, Penki, par contre la Malice, c'est Penki qui va s'imposer de bout en bout à la manière d'effort dans cette épreuve avec Thibaut Delaunay. Par contre la Malice est deuxième, on est troisième avec Brunel Guckorn, on est quatrième avec Jubilé des Vallons, juste devant Ayam The Boss.